Et salut tout le monde, ici Logan 7218. Alors bien sûr aujourd'hui on se retrouve sur Sniper 2 Ghost Warrior. Alors un jeu très attendu par plusieurs personnes. Moi je l'attendais un petit peu, je compte peut-être faire qui sait des petites vidéos dessus sur ma chaîne. On verra après s'il est vraiment si bien que les gens avaient vraiment envie de l'attendre. Voilà, tout simplement. Alors ce jeu a été édité alors par développé par City Interactive, alors type action, alors sorti en France le 15 mars 2013, alors le 20 mars aux États-Unis plutôt, alors le 15 mars en Europe. Là j'ai fait cette petite vidéo le 13, alors on l'aura un peu à l'avance. Alors ce jeu a été déconseillé moins de 18 ans. Alors ce jeu existe sur PS3, Xbox 360, PC et Wii U. Et vous pourrez trouver ce jeu à un prix assez raisonnable quand même, à une quarantaine d'euros seulement. Franchement c'est assez raisonnable. On verra vraiment ce qu'il a dans le ventre. Alors ce jeu va être présenté sur la chaîne, normalement la deux chaînes communautaires, alors la Play Geek TV et le Bon Plan du Geek. Alors j'espère bien sûr que tout simplement cette vidéo plaira aux chaînes communautaires. Je tiens aussi à les remercier parce qu'ils ont pris quelques vidéos à moi et ça m'avait fait tout simplement vraiment plaisir. Alors je leur fais cette petite vidéo encore, comme je suis vraiment spécialisé dans les nouveaux jeux, bien sûr. Tout ce qui est découverte, je pense leur passer. Alors une petite vidéo de 15 minutes, pas plus, on verra ce qu'il a dans le ventre dans les 15 premières minutes du jeu. Je pense que j'aurai sûrement une petite cinématique dès le commencement, alors je me tairai bien sûr. On verra tout ça. Garde à vous, messieurs. Yas, qui a invité les services secrets? C'est un travail d'équipe, Anderson. J'ai accepté de te mettre à la tête de l'opération, mais ne fais pas tout foirer. Tu veux dire, comme je l'ai fait à Sarajevo? Suis les ordres cette fois-ci. Et tout ira bien. Il y a 3 mois, des mercenaires russes ont pris d'assaut un laboratoire militaire de haute sécurité en Sibérie. Ils sont repartis avec un virus de fièvre hémorragique africaine. À côté de ça, la peste noire a l'air d'un petit rhume. Ce matin, on a reçu confirmation qu'ils ont trouvé un acheteur ici, aux Philippines. Voici leur acheteur, Kalalo, un Philippin. C'est le commanditaire d'Abu Sayyaf, en d'autres termes, un gros bonnet d'Al-Qaïda. SecDef a désigné Kalalo comme cible de choix. Tirez à vue. On connaît l'identité du chef des mercenaires russes? Pas encore. Ça ne change rien à notre mission. Une fois sur place, notre équipe va tous les descendre et récupérer les armes biologiques. Compris? Bonne chasse. Voilà. Alors, Star... Voilà, appuyez sur une touche, quoi. On va voir. À ce qui paraît, c'est fort copié de Sniper Elite V2. On verra vraiment ça. On verra si c'est le même système. Je vais voir ça tout de suite. De toute façon, on va un peu voir l'aperçu du jeu. Comment est-ce que ça donne les 20 premières minutes, hein, comme d'habitude. Alors, mode cinématique. Voilà. Alors, je vais pas non plus faire le con, hein, je vais... Ah, ok. Je vais... Il y a sûrement un petit didacticiel qui me montre. De toute façon, je pense que ça doit être les touches basiques, hein, pour tirer au sniper. Alors, on va voir ça. Alors, mon ami, pour... Ok. À mon signal. De quoi, ton signal? Eh, enfoiré, je vois rien, moi. Quoi? Oh, mais à ton signal de quoi, je t'attends qui? Oui? Ok. 3, 2, 1, go. Ouh, joli. Joli. Le gars dans la cabane n'a rien marqué. À son tour. Pour utiliser votre lunette de vision thermique. Ah, pas mal. Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout. C'est assez intéressant là pour l'instant. On va voir ce que le jeu compte donner. T'es où mon pote là? Ah, il est devant. Okay. Fallait le voir. Hein. Il est camouflé en plantes. Il est dans les plantes. Mais moi je le voyais pas. Il nous bloque bien la vue. C'est pour ça qu'il faut l'éliminer. Sinon, notre sortie va tourner au fiasco quand on arrivera à cet hôtel. Ça m'a l'air assez intéressant là déjà, les deux premières minutes sont pas mal, hein, avec le système de retenir son souffle et tout.
Je compte aussi dire un peu ce qu'il compte avoir sur ma chaîne. Alors, il va avoir normalement un let's play sur BioShock Infinite. Alors, bien sûr, la découverte que je présenterai aussi sur une chaîne communautaire. Et il y aura peut-être un let's play aussi sur Army of Doom, le cartel du diable. Alors, Exiquin, un let's play coopératif. On verra. De quoi? J'attends quoi? Ok, je te suis. Ne me déçois pas. Allez, mon pote. On va y arriver. Dis-moi ce qu'il faut faire. Mon pote, comme je vois, il aime bien marcher. Hein. C'est même limite si on fait plus que ça qu'autre chose. Ah. Ah ouais. Информация лично, кучки трупов, дырками от пуль. Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. T'entends ça? De quel américain est-ce qu'il parle? Je n'ai pas la moindre idée, mais on s'en occupera plus tard. On a d'autres chats à fouetter. Allons-y. Attention. Скорее всего нет. Отрештывание. И теперь все носятся, как ужаленные. И пал русс, c'est plutôt marrant. Sont désactivés, voilà. Après, il faut voir s'il y aura beaucoup plus d'action dans les autres prochaines heures, hein, malheureusement. Les autres prochaines heures, je ne le montrerai pas en vidéo, bien sûr. Mais on verra, franchement là je sais pas. Pour l'instant c'est un peu calme, on verra. C'est pas trop mouvementé, alors c'est pour ça que ça donne un peu. Ça donne un peu un style un peu vide, un peu. Voilà quoi. Sauf que graphiquement c'est pas trop vraiment. C'est pas vraiment le top du jeu quoi. Finalement il faut voir ce que ça peut donner. Franchement il faut voir. Faut voir l'activité si ça peut un peu combler le manque de graphisme et tout. Parce que les effets c'est vrai qu'ils sont un peu mal faits quand même. Wow, wow, wow. Prends le plus proche et laisse-moi l'autre. Ah, on peut le faire encore à corps. Vas-y. On va tenter ça. Ok. Pas mal. Pff, il fait mal lui. Son coup, je l'ai aimé par contre. Suivez les instructions du guetteur. Ok. Il y en a plusieurs autour de cette bande de terrain au centre. On approche avec prudence. Attention, je vous indique vos cibles. Prêt. Attention, la cible approche vers nous. Prends-le. Attends, le bateau est pas loin, ne tire pas. Et merde. Oui, je sais. On attend qu'il bouge. Что случилось? Почему ты тут остановился? Чёртов двигатель заглох. Ржавый ненужный кусок дерьма. Может, бензин кончился? Je les écoute parler, c'est plutôt marrant. Подожди-ка, пойду посмотрю, может, в кузове есть. За работом. Что? Все равно надо проверить. Да ну зачем? Я все осмотрю, когда приедем в главный лагерь. Садись поудобнее. C'est pas passé. Le bateau est parti. Descends gars avant qu'il ne revienne. Bah je te suis moi mon pote, hein, de toute façon. Quoi, je tue lui? T'es sûr? Ok, je t'insiste. Pff, ça fait mal. Oh, magnifique. Cible en mouvement près du camp. Voyons où il va. Ah si, moi je te regarde, t'inquiète. Non. Je vais te la faire dans ta gueule. Oh. C'était méchant ça. On les descend en même temps. Vas-y. Ah putain, c'est chaud. Attends mon pote là. Yeah. Magnifique. C'était chaud pour moi mais magnifique quand même. Bon petit boulot. 3-1. Très peu de résistance ennemie sur le terrain arrive ouest.
On sera au rendez-vous à l'heure prévue. Terminé. Bien reçu, 3-1. Gardez ce rythme, Keller. Super. Bon, c'est vrai que d'habitude, souvent, quand les 20 premières minutes du jeu, souvent, ça commence très mouvementé. Fameux temps d'action, c'est vraiment un truc magnifique. Et c'est vrai que là, on passe directement sur un jeu où c'est plutôt calme. Malheureusement, c'est pas la version. Voilà, c'est pas parce qu'il est calme qu'il va être calme tout le jeu. Mais c'est vrai que malheureusement, pour l'instant, ça donne un peu un aspect un peu vide et chiant du jeu. Tout va dépendre après du Soulon lui-même. Malheureusement, je suis désolé de ne pas pouvoir montrer un gameplay magnifique. Hein. C'est le jeu qui a pas voulu. Je fais toujours la découverte et là pour l'instant la découverte est pas trop. Il n'y a pas beaucoup d'action dans ces moments-là. Alors. Ne tire pas. Dommage. Attends un peu. Enfin, je pourrais. Là, je fais direct. Je vais l'acheter. Reste baissé. Bah, je suis baissé. Marrant, toi. N'attaque pas encore. Okay. Allons-y. Attention. On marche un peu, on marche un peu trop quand même, c'est vrai. Je dois bien l'avouer que. Là, on marche plutôt beaucoup. Bon, c'est censé être aussi un moment assez discret, alors ça doit. Faut marcher, hein, vous allez me dire, mais bon. Il marche carrément dessus de nous, c'est chaud ça. Allons-y. Attention. T'es sérieux, tu vas monter? Oh, t'es un malade. T'as un mec qui monte comme ça tranquille alors qu'il y a plein de mecs. Ennemi devant. Élimine-le discrètement. Compris. T'inquiète, je me le fais au corps à corps, ça va être nickel. Et mec. Tiens. Allez, salut. Toi, bien sûr, tu fais jamais rien. Hein. C'est vraiment un fat. Attends, parce qu'il faut beaucoup courir et mon perso il a du mal à se remettre. Hein. C'est quoi ça? Avion civil, très vieux modèle. Ça va pas dire ça. Ok, bah je pense qu'on doit sauter dessus. On n'a pas vraiment le choix. Waouh. Oh merde! Waouh, merde! Merde! J'ai l'impression que ça va s'effondrer. Vos jumelles et mettre en. Quoi? Quoi? Ça l'est jamais. Pas mal. On voit tout là, c'est trop bien. Ouais, et alors, je suis censé faire quoi? En finesse. Quoi? Ah ok. Tiens. Magnifique. Ah c'est vraiment du 100% du secret. Hein. Putain si c'est comme ça tout le jeu ça peut être intéressant. Pour moi j'aime bien ça. Eh hey, mec, bam. Pff, dans le coup. Ah c'était méchant ça. C'est tout, il en faut plus? Non, il faut plus en tuer un autre, non? T'aimes bien que je fais tout, c'est ça? Ah non! Ah mortel, je l'ai tué alors que eux deux ils se sont même pas rendu compte. Maintenant on va se le faire synchro, c'est ça? Putain, comment il les voit? Alors qu'en réto on voit rien. Ah il en reste? Ah merde. Putain, ouais, mais je vois à peine quelque chose. Voilà, c'était assez chaud, mais j'ai réussi. Alors, maintenant, on se fait les deux mecs, je pense. Quand tu veux. Parce
C'est parti, mon pote. Quoi, il faut tirer sur ça? Ok, bah, c'est ta faute si je perds. Ah, pas mal. Diversion avec la balle, pas mal. C'est pas con. Ok, j'espère que je vais me faire celui de gauche, c'est ça? Ah non, même pas. Okay, nickel. Tiens, dans ton dos. Et je pute cette pute là. Oh, attention, ouh, joli, kill cam carrément. Oh, c'était méchant, ça c'était méchant. Ah merde. Bah, ça s'effondre pour la fin. Wow. Nage à la surface avant de manquer d'air. Bah, je pense qu'on va se quitter sur cette petite vidéo de Sniper Ghost Warrior 2. Alors malheureusement il n'y a pas eu énormément d'action et il va seulement commencer je pense à en avoir au moment où on va devoir se quitter. Malheureusement hein, j'ai voulu tout le temps faire des vidéos de 15 minutes alors on va devoir s'arrêter sur ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo bien sûr, commenter, mettez un like et bien sûr visitez ma chaîne récemment pour voir tous les nouveaux jeux qui vont sortir bien sûr. Et bien sûr toutes les vidéos que je vais poster aussi sur les épisodes de Let's Play et découvertes, tests, hein, voilà ainsi de suite quoi comme d'habitude. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez bien soin de vous, c'est sûr, hein, ça c'est toujours. Et on se retrouve à la prochaine pour bien sûr de nouvelles aventures mes amis, salut tout le monde.